Se Boukina Faso pou msati mta ye, le mbale motri nou sa. Mbale rale, reprezentan Boukina Faso, reprezentan jen kapiten Ibrahim Traoré sou tribune Nason Zuni, mbe ki fon diskou tèt chaje e ke mbwe mbwe map evite nou tan de avèk an pil interè ansan avè mwen. E oui, yo e talè Et messieurs, messieurs africains, moi-même, franchement, nous obligés de prendre une fixation sur ce qui passe en Afrique pour nous permettre de garder et comprendre qu'on ça tout. Parce que 2 millions haïtiens, 3 millions haïtiens qui n'ont cherché, qui nous juste à pour libérer ce pays, c'est le pas trop difficile pour nous jeunes. Parce il y a pour que le pays qui a fait le il y a pour que ce peuple-là qui prend un engagement. pou le soti si nan sa. Ok? Yon konen se peplak pou engajman pou ke le soti si, la jadu situasyon sa yo. E, se pou maray ki fasil, son komba ki pa fasil, men nou dure pou ren responsablitin pou nou pemet ke que... e kote jen kapiten Ibrahim Draourie la, pou se zanmou al fè nou tande la telman enteresan, Dan eme pou mwen jen kapiten nan pou metel e sou ekran. Se mwen gen lai. E mwen gen la mwen gen kapiten Ibrahim Draoui. Tale, tale, mwen chèche sa. Ok. E diskwit gale blan. Pase ke sa pou noue pou nou kopwen pou nou tande. Nou el deja. Mwen, mwen, mwen pa pral lankis sou bagayik.

un espace à côté de Galé, c'est là le président américain qui a parlé, Joe Biden. <laughs> Ça avait dit que son espace, vous devez faire effort pour que vous passez bien là. Ok. Je ne sais pas. Voilà. Je vais mettre le capitaine Traoré tra 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 sur l'écran pendant que nous prenons le temps d'intervention représentant là au niveau des Nations Unies. qui peut être intéressant. nou ta va patajan sa ma ve ou. Prezident la transition chef de l'Etat. Ok. Nou pral tande avèk an pil interè intervansyon sa. M ap envite nou tande l pweske pati sa nou m baka pa patajan la ven. Ounetman. E nou pral tande intervansyon ou reprezentan Bukina Faso a sou tribune naso zili nan New York. Chef de l'État, recevez les salutations fraternelles du peuple, président de la transition, chef de l'État, recevez les salutations fraternelles du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba, Patrice Émeric Lumumba du Congo, Modibo Keita du Mali, Ruben Unniobé et Félix Moumier du Cameroun, Sylvanus Olympio du Togo, Che Guevara de l'Argentine, Martin Luther King et Malton X des États-Unis d'Amérique, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Jomo Kenyatta du Kenya, Amical Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert, Marianne Ngwabi du Congo-Brazzaville, le capitaine Noël Isodore Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Ces leaders ont été pour la plupart exécutés de façon violente et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies, au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, yeah. l'hypocrisie diplomatique, oui. la boulimie du pouvoir, uh -huh. la recherche effrénée du gain, uh -huh. l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme okay. sont les vraies plaies qui gangrènent notre vivre ensemble. Ils font courir toute la société à sa perte. C'est vrai, y compris donc notre organisation, l'ONU. L'ONU. Ah, Son Monsieur M. Antonio Guterres, mm -hmm. Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Mm -hmm. Son Excellence Monsieur Joe Biden, Président des États-Unis. Uh -huh. Son Excellence Monsieur Denis Fri Francis, représentant permanent uh -huh. la Trinité et Tobago auprès des Nations Unies, uh -huh. élu président de la 78e session de l'Assemblée générale. Okay. Son Excellence Monsieur Louis Ignacio Lula de da, Silva. da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Uh -huh. Permettez-moi de reprendre ici des parties de vos propos, discours respectifs prononcés à cette même tribune, à l'ouverture de cette 78e session. Primo, je cite :« Nous sommes dans un monde sans dessus dessous, des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. » Pour la deuxième personnalité, je cite, Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une cause commune à savoir, léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. Fin de citation. Pour la troisième personnalité, je cite, Malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir. Ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Sinon, nous pouvons apporter le progrès et la paix pour tous. Fin Très de bien. citation. Très bien. Pour la quatrième personnalité, je cite :« Il y a dissonance entre les discours et les pratiques, les faits. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé. Mm -hmm. L'ONU doit assumer ses fonctions d'un monde solidaire et équitable, conformément aux principes édictés dans la charte. » Cela suppose qu'on ait le courage de lutter contre les inégalités. Fin de citation. Très bien. La quintessence des expressions de ces quatre autres personnalités Très bien. signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique, nous pouvons à défaut de les éradiquer, les améniser à leur congrue expression. En effet, chaque année, les discours pleuvent au même titre que les promesses et engagements, les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principes contenus dans la charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, L'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, mmh. dans le Sahel précisément sur le Niger et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voies ont été fauchées, des milliers de vies donc ont été fauchées, pour badigeonner nos consciences de tranquillité transparente, chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle le recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable, aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. Uh -huh. C'est cette catastrophe dit, qui a mis dame. la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide. Aïe, 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 monsieur. En 2011, général Mohamed Kadhafi, lapidé par son peuple. Je prétends prends un pour m'abtendre l'intervention. ki petet pe ap intereso, paske debou kon titan, mapman dotan de la vek an pen l'interer. E mwen di nou sa trebyen, mwen oblije avanse programasyon ou di mwes, pou nou anrichi programasyon nou, e, 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 avek, e, avek mwen se li lolo bagay, fwa nou fon kout pat nan kontine Afrike. Paske goun revolte kap fet, goun reform, goun revolisyon kap fet, en e, Afrike la, sou ba e ete chaje, men se la jounes kap fel. Nou menm ki san vle nan pi da iti, ki san pa kap fel la, Pour que ça c'est les Blanc grand monde qui parlent sur le tribune des Nations Unies? Pourquoi ça on prend les jeunes qui dans l'âge pa... de la trentaine qui parle dans les Nations Unies? Après les Blanc blancs, l'autre grand monde. Comme ça, il n'y a pas de choses qui est là, non? Pourquoi ça ne pas des gens qui parlent, mais qui pose action? Alors, parole qui marche avec action. Et les Blanc blancs parlent l'autre côté, mais qui fait le contraire dans le pays d'Haïti. Vous avez quoi même? Ça veut dire que mes jeunes ça a, qui parler là, qui sont représentants, Burkina Faso, non seulement ça l'a dit, et c'est ça l'a dit sur les Nations Unies, et c'est ça, ça qu'a exécuté dans le pays Burkina Faso et dans presque tout le continent. en avance, non. pas là intéressant. Entendez. Avant que les eaux deluge de déluge ne viennent l'endeuiller davantage, mm -hmm. et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970, et le silence coupable voit la complicité de la CDAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention avec la France de Nicolas Sarkozy en tête a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye-BIS. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintés d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudés de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agitent comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune, de l'ONU, invitant au respect de la Charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeur essentielles pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignes sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre le tra la traite négrière et le néocolonialisme. Ont eu leur sommeil de guerriers perturbé pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger telle une boule de coton à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipender à travers le mensonge et honte d'État, en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérian, ghanéens, tchadiens, ivoiriens, comoriens, guissao-guinéens et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger, comme le cas de la Libye. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU. Et devant le monde entier, que la CDAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. Elles ne doivent pas être utilisées et instrumentalisées pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Enfin, parlant de la charte de l'ONU, et du droit international, un conflit entre la Russie et l'Ukraine est entretenu et voulu par certaines puissances. Ainsi, plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, y ont déversé toute forte sorte de soutien, notamment militaire. Les populations civiles ukrainiennes engagées comme volontaires dans certains pilotes même des chars sont félicitées et traitées de patriotes. Le Mali, le Niger, et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de tout Akabi. C'est ma terreur et désolation. Malgré l'existence de cette même charte des Nations Unies, avec ses principes d'égalité, de justice, d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué à cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, Prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières des terroristes, ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux qui combattent sur tous les fronts. Aux côtés des forces de défense et de sécurité formées, encadrées, orientées par elles. Celles-ci n'agissent que sur instruction et surveillance des FDS et conformément à des textes réglementaires en vue de protéger leur vie et leur bien Ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CDAO et de l'Union africaine, sur instrumentalisation de puissances impérialistes capitalistes, tentent de faire croire à la communauté internationale que ce sont des milices. C'est cela le mensonge et honte d'État, Monsieur le Président. Si la communauté internationale était honnête bien et sincère bien. dans son engagement contre le terroriste, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés. Sur leurs frontières communes, en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CDAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CDAO n'a pu débourser que 25 millions d'euros. De dollars, 25 millions de dollars US, où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses vallées locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État. Manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloirs présidentiels africains. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'ACRA, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. Un exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir et de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur, un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement... Et cyniquement bloqué. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisi. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personne en danger. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale Caractérisé par la non-assistance à état en proie au terrorisme, mm -hmm. l'hypocrisie internationale, mm -hmm. la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au piège de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale? En un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité Très et bien. non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, Chanté par une certaine presse téléguidée. Depuis l'Elysée, je répondrai ceci. Oui, monsieur le président, c'est nous, les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges et éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit. Et cela advienne que pourra. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, parlant toujours d'hypocrisie et de mensonge d'État dans cette question de lutte contre le terrorisme. Mais c'est qu'on l'a parlé, et c'est ce que je dis, pour ne pas perdre rien dans discours, je ne voulais pas intervenir. En outant sauf que bon focus là, en nous prêtant attention, en nous d'elle avec un pire intérêt, freiner les hommes haïtiens. En outant d'elle, il y a un Africain qui a parlé, mais c'est le ministre de étrangères? Burkina Faso qui te la parole sur le tribunal des Nations Unies, et son discours tête chargée, en outant En général et dans le Sahel en particulier, voici d'autres faits que nous ni, vous n'ignorez certainement pas et j'en suis certain primo dans le sahel nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères composés en majorité de soldats français mais également des soldats américains allemands italiens etc avec des armes des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde et malgré tout personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort Souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes Qui les entraîne uh -huh. Qui les dote qui, en est qu qui les nourrit et avec quels moyens Croyez-vous à cette philanthropie au nord de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux yeux des Sahéliens Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement. La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957, parue dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957, portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui regroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a juste la pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. À titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juin 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ces ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, etc. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires, mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30 415 813 km, et 54 États n'a aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité, avec un droit de veto. N'est-ce pas là, au-delà d'un crime d'État, un crime onusien donc, acte aux mentions diplomatiques grossières consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et des droits humains. Parlant de droits humains, je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Kouroukan Fougan de 1236 au mandat actuel Mali. De ce fait, que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect des droits humains à géométrie variable pour les terroristes qu'ils encadrent. Secondo, l'Afrique n'aime pas comparer les morts. C'est un manque d'éducation que de le faire. Par conséquent, je m'incline respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités ayant perdu la vie en Afrique en général et au Sahel en particulier. Ainsi, sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron et qui frisent souvent le ridicule tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien, que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pire de ses ressources et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, monsieur Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général De Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les deux guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent, qu'ils aillent dans le livre qu'on fait, livre de Bakary, camion professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document, à la page 344, au tableau 21, les vétérans soudanais des deux guerres. Il en résume un total du Burkina Faso, du Mali et du Niger à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés. Qu il se confère donc aux sources Henri Léger, Rouge et Roat, rapport de fin de mission. En AOF Dakar, le 13 juin 1950, archive du Sénégal, code 4D68, entre parenthèses 89, voire annexe 5. Ensuite, le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara, disait ceci Je cite, L'Afrique a été pillée. J'ai parlé de matières premières. J'aurais dû parler des hommes. Pendant des siècles, on vous a exploité humainement. On a volé vos hommes vos femmes, vos enfants, on s'est servi de vous. Je comprends votre refus, votre révolte et j'approuve votre combat. Vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié. Le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies à partir de ces biens et de ces hommes. Et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris. Au travers des siècles derniers fin de citation. Effectivement, l'Afrique a toujours été vachement piée, mais elle reste riche en hommes, en valeur et en richesses minières. Pour preuve, parlant de ces ressources minières, l'Afrique c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt, 55% des réserves en uranium, etc. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais debout. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que. L'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km, face au Congo, qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km. Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km, face au Gabon, qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km. La France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km, face à la Namibie, qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km. C'est fort de tout ce qui précède que, justement, Aimé Césaire, père à son âme, disait, je cite, l'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torture. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Fin de citation. Certes que l'Occident a violenté, mm -hmm. volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés. Et qui ne colle pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète, il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Monsieur le Président, <laughs> ce qui vient d'être dit sont les étiquettes profondément malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère.